C'est parti pour un deuxième let's play sur la Snapchat sortie le 14 avril dernier. Deuxième épisode que je vais faire en accéléré, enfin un petit peu plus en accéléré. Depuis le précédent épisode, vous pouvez voir que par là-bas, il y a eu des nouveautés avec un petit enclos pour récupérer les quelques moutons qui se promenaient et une manière de récupérer de la laine afin de pouvoir améliorer un petit peu l'un des personnages, l'un des villageois, le tisserand, pour qui j'ai fabriqué cet espace dans le premier épisode. Voilà. Bien, je suis en mode de plein écran. Je ne sais pas si le rendu va être extraordinaire, mais pour l'instant, on fonctionne comme ça. Allez, c'est parti. Les golems ont fait un peu le ménage, c'est cool. Mais j'ai pas encore beaucoup beaucoup de flèches. Et il me faudrait du silex pour pouvoir. Ouh! On dirait qu'il y a un Enderman qui s'est fait baffer la tête ici. Cool. Et voilà, deux flèches, c'est fini, j'en ai plus. Allez, je me le finis. Qui c'est que t'as été tapé toi? Oh là là, bien vu. Je l'avais pas entendu arriver celui-là. Bon, allez, allons voir si on peut trouver du silex par ici. Il y a un peu de gravier, mais. Yes! Ah non! Bon, je vire l'œuf. Non, je vire quoi? Je vire ça. Bon, rien d'intéressant par là. Allez, on fait chuter. Hop. Oh non, c'est pas vrai. Et j'ai pas de bouclier pour l'instant. Bah oui. Ah, les mauvaises habitudes que j'avais auparavant. 2, 3, 4, c'est bon. Ça fait mal. Allez, je me tais et je vais pouvoir passer, mettre des accélérés éventuellement s'il y a besoin.
Et c'est parti pour un nouveau let's play sur la Snapchat 21W5 quelque chose, 21W15A. Je poursuis donc mon aventure, commencée il y a quelques jours, il y a 4 jours déjà, avec, vous allez pouvoir le voir, le développement du village dans lequel je m'étais installé. Ouais, il y a du monde, hein. Il y a du monde et puis il y a pas mal de métiers. Alors, nous avons donc un forgeron d'outils, si je dis pas de bêtises. Nous avons un tisserand. Comment il s'appelle celui-là? Je ne sais plus. Nous avons notre cartographe et l'archer. Alors, l'archer, pour moi, c'est indispensable. Parce que j'adore ça. Voilà. Alors, vous voyez, hein, j'ai trouvé un petit emplacement. C'était une pyramide. Une pyramide un petit peu plus loin par là-bas, là. Qui m'a donc permis de m'équiper. Voilà, mon tisserand. Mon berger, ouais, c'est un berger, c'est pas un tisserand, mais... Là, mais c'est un métier à tisser, donc bref. Lui, ah oui, le boucher, c'est vrai, je me suis jamais occupé de lui. Bon, il va falloir que je fasse un petit élevage de poulet. Poulet ou quoi? Ou cochon, ou du porc. Bon, bah c'est pas gagné. Mon... Ah, pugain, oui. Alors, le cartographe, lui, à niveau expert, hein, vous avez vu. Alors, en fait, c'est assez facile, hein, il suffit de fabriquer des vitres et de produire du papier. Et puis ça part vite. Voilà mon fléchier. Mon fléchier, bon, j'ai pas spécialement besoin là tout de suite. Ah non, c'est un deuxième ça. Bah, pourquoi il est en mode novice lui? J'ai déjà deux fléchiers. Ah bah oui, j'ai un apprenti et un novice. D'accord. Va peut-être falloir que je développe d'autres métiers. Parce que là, ça craint. Ça craint, ça craint. Ouais, parce que s'ils font que ça, qu'est-ce que je vais pouvoir avoir d'autre alors? Alors là, il faut que je cherche les tables. Qu'est-ce qui me reste? Cartographe, forgeron. Ben non, ça ne me sert à rien. Ah, excusez-moi. Mais alors là, je cherche le fumoir. J'en ai déjà un. Donc, c'est pas la peine. Ah, un pêcheur. Oui, un pêcheur, éventuellement. Un tanneur. Alors ça, je supporte pas. Enfin, je vois pas l'intérêt du tanneur. Et si, il y a le... Ben, je l'ai pas vu. La forge. La haute forge. Elle est où? Je l'ai pas. Bon. La haute forge, vous voyez ce dont je veux parler. On va faire 3 comme ça. Et qu'on va faire cramer 2 fois. Alors là maintenant, ça y est, hein, ça commence à être bon. Je vais pouvoir me fabriquer le nécessaire. Tiens, je me suis toujours posé des questions, savoir si avec ça et ça... Bah oui, trop bien. Trop bien. Alors, là j'ai ce qu'il faut... Ouais, ça va le marchand. Là, mais j'ai pas besoin d'aller voir le marchand. Vous entendez comme moi? Bon, oui. Ça, je crois que j'en ai déjà un quelque part. Et en fait, j'ai... Bah, ah ouais, j'ai quand même fait le ménage, quoi. Non, c'est là. Voilà. Là, en fait, où je gère pas encore très très bien, c'est la partie, voilà, ici. Où, bah, ça manque... ça manque, ça manque. Ça manque d'équipement, en fait. Non, pardon, pas d'équipement, mais j'ai pas grand-chose à faire pousser. Donc, c'est un peu ennuyeux. Et puis, c'est tout. J'ai un élevage là-bas, un élevage de moutons, mais bon, d'accord, c'est pas le top top pour l'instant. Il faudrait que je puisse faire un élevage d'autre chose, mais en même temps, dans le secteur, vous voyez, il y a beaucoup de sable. Je sais pas du tout si c'est propice en fait à l'élevage. Voilà, alors un petit truc que j'ai fait, c'est. Vous voyez, là-bas au fond, là j'ai une mine. J'ai une mine très intéressante. Que je n'ai pas fini d'aller explorer. D'ailleurs, donc je me propose d'aller faire une petite exploration. Après avoir fait un peu le ménage. Par ici. Ouais, allez. Je me tais et on va pouvoir faire tout ça en accéléré. Ah oui, là il y aura peut-être besoin de ça.
J'en ai qu'un. Non, on va d'abord, voilà. Allez, maintenant, c'est parti. On arrive là dans une autre nouvelle zone. Donc ça, c'est, elles sont existantes hein, depuis un certain temps dans les nouvelles versions de Minecraft. Mais voilà, c'est cette petite zone assez sympathique où vous allez entendre le cristal chanter. Je vais peut-être mettre un peu la musique plus forte. Hop, non, pas la musique, le volume principal. Voilà. Ça, vous entendrez peut-être un peu mieux. Cette option est vraiment très... Enfin, c'est pas cette option, parce que c'est pas vraiment une option, mais... C'est vraiment très sympathique. Oh, la chute! Mais quelle nouille! Je l'avais vue, quoi, enfin... Ah, mais quelle naze. Allez, mange. Donc voilà, nous voilà entourés de cristaux. Ben non, je n'en ai pas ramassé ici, pas dans cette partie-là. Donc là, j'ai des blocs d'améthyste. Et je vais ramasser un petit peu, hop, de cristaux. Voilà. Alors, ça va me permettre, effectivement, de fabriquer une longue vue avec du cuivre, je crois. Bloc de cuivre ou lingot de cuivre, je crois que c'est lingot, mais pas un bloc. Saloperie, je t'ai pas entendu arriver, toi. Ah, punaise de... Bon, ça va. Ça va, ça va. Et là, franchement, non, je vais... Ouais, je sais ce que je vais faire. J'ai envie d'explorer tout ça. Bon, je sais pas pourquoi je ramasse autant... Ça sert à rien.
Il y a quelque chose à aller explorer là. Est-ce que j'y vais maintenant avec mon équipement réduit? Plus là, il y a ce qu'il faut. Oh, ouais, elle est vraiment trop bien cette grotte. Waouh, 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 waouh. Bon, non, je vais faire le ménage un petit peu et puis je reviens. Tac, 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 je me fais mes petits escaliers, tranquille. Oui, vous avez vu les blocs à l'intérieur des ardoises. Alors, il y a eu une snapshot où en fait on récupérait ces blocs-là directement, il fallait les faire fondre, les mettre dans un four pour récupérer après le fer ou n'importe quel autre minerai, hein, de toute façon c'était pareil pour l'or et tout. Et donc ça faisait qu'on pouvait avoir 4 ou 5, enfin, un certain nombre de blocs complètement différents pour la même chose. Le basalte. Ah, le basalte, c'est pas mal ça pour faire de la déco après. Donc c'était assez embêtant parce qu'en fait ça prenait beaucoup de slots dans le jeu pour bah, pas grand chose, pas de réel gain quoi. Donc ça, heureusement, ils ont arrêté. Ah, ils ont peut-être pas arrêté là maintenant, ils ont arrêté il y a un petit peu plus longtemps. Donc je vais pouvoir monter comme ça, comme ça. Comme ça. Pourquoi ils sont plus résistants ces morceaux-là? Je sais même pas pourquoi. Bon, j'espère que je peux tourner en rond là. Ouais, ça y est, c'est bon, je dois arriver là-haut. Allez, je m'en retourne au village sans oublier tout ça. Et puis je reviens. Et puis je pense que je vais revenir avec des échelles. Des échelles, peut-être des seaux remplis d'eau. Là, je crois que j'en ai un, mais je vais peut-être en prendre un deuxième. Le seau rempli d'eau qui permet de faire de la descente de grandes zones, de grandes failles. Parce que je sens bien la faille en dessous là-bas. Je la sens bien la faille en dessous. Pour ceux qui sont venus sur cette vidéo pour voir les nouveautés de la Snapshot 21W15A, bah, vous les voyez en direct, c'est-à-dire que je ne les mets pas spécialement en valeur dans mon jeu. Bonjour toi là-bas. Parce que je pars pas. Voilà, je joue pas en créatif. Je joue qu'en mode survie et donc bah, au fur et à mesure que j'avance dans le jeu, je vois les nouveautés. Voilà. Mais je n'irai pas chercher les nouveautés en mode survie. Le mode survie est un mode qui ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Donc je dirais passez votre chemin ou alors bah, suivez mes aventures. Et quand je dis mes aventures, ça peut être en un seul mot. Allez, on fait un peu le ménage et puis on repart. C'est étonnant ça. Ça n'a pas été traduit. Je vais me refaire un bloc de cuivre et un paratonnerre. Oui, vous l'avez peut-être pas vu. Enfin, je ne vais peut-être pas remontrer. J'ai fait un paratonnerre ici. Voilà. Avec un bloc de cuivre. Alors qui a vieilli. Hein. Les blocs de cuivre vieillissent et deviennent bleus. Enfin, voilà, ils s'oxydent en fait. Enfin, je sais pas si c'est. Terme exact, c'est l'oxydation, mais voilà, c'est ce qui arrive, c'est ce qui leur arrive. Alors, tac, tac.
c'est reparti pour cet épisode, l'épisode numéro 2, en plusieurs morceaux, bien entendu. J'ai avancé, mais je suis bien avancé hein, depuis le dernier petit morceau. Et me voici donc dans la cave. Non, pourquoi je dis la cave ? Non, c'est pas une cave. C'est parce que je reprends l'intitulé en fait de cette snapshot. Je suis dans la grotte. C'est pas voilà, c'est pas la cave. Enfin, pas la cave au sens français où on va mettre du bon pinard. Donc voilà. Donc je suis dans une grotte. Et depuis le dernier morceau de vidéo que j'ai enregistré, vous avez peut-être pu remarquer sur le côté droit ce petit symbole mauvais présage. Et oui, bah oui, malheureusement, j'ai rencontré des villageois qui voulaient attaquer le village. Je les ai chopés, heureusement, un petit peu à l'écart. Et donc j'ai pu les exterminer, les tuer. Je les ai pas exterminés, c'est pas vrai. J'ai pu donc les tuer à l'arc, bien entendu. Et depuis, je ne me suis pas rapproché de mon village. Oui, parce que si je me rapproche du village, je vais avoir le droit à 4, 5 vagues d'assaut. Et pour l'instant, je suis malheureusement pas suffisamment bien équipé pour affronter ça. Alors, je suis pas suffisamment bien équipé, mais je suis quand même pas si mal que ça, parce que comme vous pouvez le voir, là en bas, ici, il y a du diamant. Il y a du diamant. Je l'ai trouvé dans cette grotte, hein, je l'ai trouvé même précisément par ici, là où vous voyez, là, en petit. Donc ces 4 petits morceaux de diamant qui, ma foi, je pense, vont me faire une belle épée. Même si je vais pas pouvoir faire grand chose de plus qu'une épée, avec 4 diamants, ça me fait une épée et j'aurai pas ma mine. Ouais. Je suis plutôt un mineur qu'un attaquant, mais bon, je me tâte pour l'instant. Donc là, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je continue à miner de manière à me préparer. Alors, parce que mon village, il a vachement bien évolué hein, depuis l'épisode précédent. J'ai là-bas un forgeron donc qui a pu me fabriquer un plastron et un casque. Ah, bonjour vous. Mais comment je suis nouille. Donc voilà. Je vais mettre un peu de lumière ici, comme ça ils viendront peut-être. Ouh là là, oup, 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 oup. Bah non, mais tu veux, oui, mais. Aïe. Voilà. Allez, tirez-vous dessus. Oui, va le baffer. Chat. Qui va gagner? Moi. C'est moi qui gagne dans l'histoire. Donc voilà. Donc je disais. Oh, y a de l'or ici. Mais non, mais ça suffit là. Mais c'est quoi? Elle est vraiment super bien cette grotte. Alors c'est la grotte. Je crois que je vous l'avais fait voir dans le début. Dans l'épisode précédent. Le premier épisode, on l'avait pas vu. Je crois pas. J'en ai plus. J'ai plus de flèches. Aïe. J'ai des flèches. Mais j'en aurais pas assez. Oh putain, mon village, j'ai un fléchier, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai. Ah, oh, j'en ai marre. Bon, donc faut que je me prépare. Donc je disais. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc dans mon village, j'avais tout ce qu'il fallait. J'ai commencé à bien évoluer. Restait à faire. Encore un autre? C'est le même que tout à l'heure. Oh, c'est trop beau. C'est pas le même. Donc voilà, je ne sais plus. Bref, donc le village, il y a du monde, mais si j'y vais, je vous dis, c'est le mauvais présage, et donc une attaque villageois, enfin une attaque, des vagues d'attaque, et jusqu'à présent, dans les différentes parties que j'ai pu jouer, j'arrive à résister à 3 ou 4 vagues, et la cinquième est toujours mortelle. Donc, c'est pas que j'ai pas envie de perdre ma vie, parce que ça, j'ai un peu l'habitude de me faire baffer assez fréquemment. Mais j'ai pas envie que le village soit détruit, et voilà. Donc je vais réfléchir à ça dans le temps. Et pour l'instant, donc je m'équipe,
Donc je vais prendre un maximum de fer, me faire ainsi un équipement complet. Personne là-haut, non, c'est bon. Un équipement complet et puis être à peu près tranquille. Donc je vais finir cette petite virée dans la grotte. Je pense pas avoir encore tout regardé, hein, mais je vais essayer de pas faire un épisode de 45 minutes. Donc voilà, je nettoie ici et puis je vous montre par la suite à quoi ressemble mon petit lieu de villégiature en attendant que je sois suffisamment bien équipé. Il est pas trop éloigné du village, mais quand même suffisamment pour pouvoir y faire des choses. Bon, je vous avoue, j'espérais trouver d'autres biomes, des trucs sympas. Bon, là, on reviendra tout à l'heure. Enfin, je reviendrai. Et puis, je pense que là, on est pas mal. Ouais, il y a de la ferraille, il y a ce qu'il faut. Allez, je remonte. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ils sont beaux, hein ? Ils sont beaux, mais j'ai pas encore regardé ce qu'on pouvait faire avec cette encre lumineuse. Ah, c'est bien ça, j'en ai un ici aussi. Et là, j'ai un petit chemin, hop, qui me permet de remonter je ne sais plus où. Par ici. Ah ouais, mais c'est ça que je voulais vous faire voir. Oh ouais, j'avais fabriqué un... Enfin, j'avais les éléments pour fabriquer une longue vue. Et je voulais vous montrer ça. Mais bon, vous l'avez peut-être déjà vu, ça c'est pas un élément très très important. Allez, je me tais et on retourne, non pas au village, mais dans ma petite maison. Me voilà donc dans ma petite maison. J'ai pas terminé, hein, mais voilà, je voulais faire un petit truc sympathique là avec le ciel qui est super joli par ici. Et puis donc c'était assez drôle parce que je me suis fait le temps de l'installation. Hein, j'ai eu des hordes de zombies qui m'ont attaqué. C'était très très drôle par ici. Ici il y avait quelques noyers aussi, dont un avec avec son trident, là, il y a un moment j'ai cru que j'allais pouvoir en récupérer un, mais non, quand même pas. Je me suis fait donc toute une installation de... Enfin, j'appelle ça des bambous, mais non, c'est pas des bambous, c'est des roseaux, enfin canne à sucre. Voilà, plutôt, là, pour moi c'est du roseau, mais... Voilà, l'âne qui est là-bas, ben, je l'ai domestiqué, mais je n'ai pas de sel. Et je n'ai pas non plus de quoi faire une laisse. Donc pour l'instant, ça reste comme ça. Petite maison toute simple. En attendant de trouver mieux. Alors voilà, là vous devinez ce que je suis en train de préparer, hein. Donc avec trois roches lisses et puis un petit peu d'argent de fer, bah, je vais pouvoir fabriquer un haut fourneau qui va me permettre de gérer tout ce cuivre brut, cet or brut. C'est assez marrant parce que
Suivant, la dernière fois, j'ai vu que le cuivre brut n'était pas, n'avait pas ce nom-là la dernière fois que j'ai joué. Ça se modifie. Oh, regardez là, il est mignon lui. Mais je n'ai plus que deux flèches. Donc non, pour l'instant, je vais le laisser là-bas. Et puis je pourrais dormir. Je pourrais dormir, mais j'ai envie de terminer mon truc avant. Je pourrais aussi faire un deuxième four. Ouais. Je pourrais faire même un fumoir. Ça va être carrément plus simple. Pour tout ce qui est nourriture. Hein? Hop, si je le mets pas au bon endroit, ça marchera pas. Voilà, un fumoir, tac. Qu'on va mettre par là. Hop. Donc là, normalement, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Voilà, vous voyez ce que je dis. Il y a des morceaux, des morceaux, des éléments qui sont pas traduits, qui sont pas en français. Le haut fourneau, il est bien français, mais vous l'avez vu aussi, hein, le block of raw copper. Et en plus, il est assez. Ah oui, d'accord, c'est un bloc. Et là, le cuivre brut, oui, bah lui, il reste. Ah, je trouve ça joli. Ça sert à rien. Ça gagne juste de la place, quoi. Et ah ouais, si, je vais quand même essayer de le faire fondre. Juste pour voir. Donc, eh ben, le haut fourneau, on va le mettre. Je le mettrai bien là. Hein. Alors, l'idée. Ah non. Ah ouais, bah non. Alors là, par contre, non. Bah là, je vois pas. Je vois pas l'intérêt, en fait. Non, c'est. Il comprendra pas. Il comprendra pas. Il n'a pas l'intérêt. Il comprendra pas. Bon, je la fais mon épée ou je la fais pas mon épée? Mon épée va bientôt être détruite. Poup, poup, poup. Ah, franchement, franchement, franchement. Je crois que je vais attendre encore un peu. Je vais attendre un peu. Je vais le regretter. J'en suis certain. Mais, non. Non, non, je vais. Je vais garder ça parce que j'aimerais pouvoir me faire une pioche en diamant. Je préfère largement la pioche parce que c'est vraiment l'outil que j'apprécie vraiment grandement dans Minecraft. Ça, je vais le garder pour le mettre avec le cuivre tout à l'heure. Ça pourrait être pas mal tout à l'heure si je retourne. Voilà, l'andésite. Bah, on va la mettre là. Là, je peux enlever ça et le mettre là maintenant. Pouf, pouf. Nouvelle recette de quoi? Avec l'or? Ouais, mon fourneau. Je m'en bats un peu les cacahuètes quand même. Pas vraiment que ça soit vraiment super utile. Et donc là, bah ça y est, j'ai ma bouffe. Youpi! Le saumon, bah, l'idée c'était de le garder pour adopter un chat. Ouais, j'adore les animaux. Et puis le chat, c'est vraiment permet d'être tranquille avec le. Avec ces saloperies de creeper. Bon, et bah là, on peut faire tourner tout ça tranquillement. J'ai besoin de quoi maintenant? J'ai besoin de quoi? Là, c'est bon. Là, j'aurais besoin d'une épée. Une pelle. On va faire ça tout de suite, comme ça sera fait. Je vais avoir ma pelle. Je vais faire ma houe aussi, parce que j'aimerais bien installer ici un petit coin où je fais pousser les trucs. Et puis, bah voilà. Par la suite, l'idée, ça va être de fabriquer les jambières. Ah! Ah bah tiens, ça c'est sympa. Mauvais présage qui s'arrête dans 15 minutes. Cool! Cool. Bah je vais finir ça quand même. Je me finis mon équipement. Je viens de faire quoi? N'importe quoi. Voilà.
Et puis c'est bon. Et puis ben, on va s'arrêter là-dessus. Et puis je vais essayer d'avancer jusqu'à la fin du mauvais présage, mais je vous comprends quelque chose. Mais de manière un petit peu à part, en dehors d'un enregistrement. Et puis comme ça. Et puis comme ça, on pourra. Allez, ça je le fais aussi. Un petit paratonnerre. Ça m'amuse toujours. Hop. Oui, non, je vais pas l'utiliser là maintenant, hein, mais je vais mettre le paratonnerre sur ma.